Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour inaugurer, je vais vous parler de ma figure de style préférée. Ma figure de style préférée, qu'est-ce que c'est? C'est le zeugm. Mais dis donc, c'est quoi un zeugm? Bah déjà, c'est quoi une figure de style? Une figure de style, c'est une tournure linguistique visant généralement à mettre en relation des sonorités avec des sens ou des significations particulières, c'est-à-dire d'allier la forme et le fond. De telles tournures ont généralement vocation à être poétiques, c'est pour ça que c'est autant utilisé dans la littérature ou dans la poésie, mais aussi humoristiques. Des proches utilisaient énormément, par exemple, de figures de style. Mais en réalité, nous en utilisons tous les jours. Chacun d'entre nous, chaque jour, fait des figures de style, même sans s'en rendre compte. Ne serait-ce qu'une comparaison, c'est une figure de style. Une allitération, dans le marketing par exemple, les slogans publicitaires, sont généralement des figures de style. Le zeugme. Le mot zeugme vient du grec ancien, zeugma, qui veut dire le joug ou le lien. Et donc un zeugme, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de style, qui permet de mettre un élément en dénominateur commun de deux autres. Elle prit son sac et la porte, c'est un zeugme. Le verbe prendre est en dénominateur commun, et il est ensuite décliné au propre, elle prend son sac, et au figuré, elle prend la porte, mais on ne répète pas le verbe prendre. Mais ça marche aussi d'un point de vue syntaxique. Par exemple, dans le vers « Ah, savez-vous le crime et qui vous a trahi ?», il y a un zeugme. Il s'agit d'un zeugme tout simplement parce que « savez-vous » peut fonctionner à la fois avec un complément d'objet direct, donc « savez-vous le crime ?», mais aussi avec une subordonnée complétive, « savez-vous qui vous a trahi ?». On a donc le verbe « savoir » en dénominateur commun. Magique. En cela, le zeugme est assez proche d'autres figures de style, comme l'anacolute, ou encore la syllabe de sens, ou encore l'endiadis, mais ça c'est une autre histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher des commentaires à droite ou à gauche. Parce qu'après tout, il est toujours mieux d'écumer Internet que de rage.